pas ses vins d'école hein, ouais, du côté de Lille. McNally, très bonne lecture de jeu pour. Deux caviar qui vient d'enchaîner, même si ça n'a pas été concrétisé par, par Fabien Pachal sur la précédente. Allez, 3 points, ça va faire du bien. Ouais, hein. Pour Lille. Pour Lille et McNally. De Lille. 35-32, c'est le score. Oh, c'est sur le côté. McNally. Allez, enfin un peu de réussite. Hein. De toute façon, on sait que ça passe par là. C'était bien vu. 14-11, Tortosa qui est rentré, capitaine amicaliste. Attention, il est tout seul. Oui, il y a un manque de communication parce qu'on s'est retrouvé. Deux points pour Lille, le numéro 2. Asika. Trois points pour Lille Basket. Thank you.
55-49, c'est le score si vous venez de nous rejoindre, amis auditeurs, auditrices ou internautes. Hein. On rappelle qu'Evreux, 2 victoires, 4 défaites depuis le début de la saison. Ah, attention, seule victoire à domicile. Il l'a bien vu, Sidi Ndir, l'attaque du cercle, c'est un peu long, le jeu rapide. C'est Zamora qui sert Paul Rigaud, va-t-il attaquer le panier? Attention, 7 secondes sur l'horloge des 24. Ouais, oh, c'est bien. Très bien défendu de la part de McNally, hein, c'est lui, hein, c'est ça Antoine. Oui, oui. Et il fait un cost to cost. Oui, faute sur le corps, Antoine ouais. Wallez, ce qui donnera de lancer. Ballon pour un tournant hein, dans cette rencontre. Plus 9 Antoine. C'est à plus 10 du côté d'Evreux. Allez, bah, on va aller chercher Zamora hein, sur la création, forcément. Voilà. Oh, c'est bien fait tout ça. Ah, un petit peu trop de passes, messieurs. À un moment donné, il faut tirer. Alors là, il y a eu. Ça, c'est le problème. Hein. Des fois où on tombe dans l'extra passe.